Hello, hello, bienvenue par ici, contente de vous retrouver sur YouTube. Ok, on ne se connaîtrait pas, moi c'est Gaëlle, je suis professeure de yoga. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique avant d'aller dormir. Alors bon, je suis pas dans mon lit, j'ai pris un des coussins du canapé pour faire comme ici. Si vous avez un oreiller, ça pourrait vous être utile. Avant qu'on commence cette pratique, si vous faites partie de ces personnes qui commencent à en avoir un peu marre de scroller sur YouTube pour trouver exactement la pratique qui leur correspond au moment où ils veulent dérouler leur tapis, si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin dans vos connaissances du yoga, mais que clairement le teacher training, donc la formation de professeur de yoga, c'est pas pour vous, pour des raisons X, Y, c'est quand même 200 heures minimum pour être prof, c'est un investissement en temps et en argent, bah, vous seriez surpris de savoir qu'il n'y a pas forcément besoin de devenir professeur de yoga pour pouvoir construire ses propres cours, hein, donc c'est juste pour soi. Par contre, ça demande quelques connaissances. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le livret que j'ai créé. Il est juste dans la zone de description sous cette vidéo. C'est un petit livret de quelques pages qui contient bah, mes trucs et astuces et notamment une méthode, en fait, on va dire, hein, clairement, ma méthode pour créer ses cours de yoga en fonction du temps dont on dispose, en fonction ben, de la pratique dont on a besoin. Donc, je vous invite à regarder ça tout de suite maintenant, ou alors, quand vous aurez terminé la vidéo, d'y revenir. Quoi qu'il arrive, le lien ne bouge pas, il reste dans la zone de description sous la vidéo, et nous, on va tranquillement venir pratiquer pour s'endormir. Alors, si vous êtes déjà en pige dans le lit, ça marche. Après, si vous êtes sur votre tapis de yoga, bon, il n'y aura plus qu'à aller vous glisser dans votre lit à la fin. En n'oubliant pas de télécharger le livret avant d'éteindre l'ordinateur ou le téléphone. Ok, donc on va commencer tranquillement dans une posture sur le dos. Donc, ce que je vous invite à faire, on va faire une légère extension de colonne, donc flexion arrière de la colonne, c'est de venir positionner un ou deux coussins ou oreillers derrière vous. Et là, pour les jambes, vous avez le choix. Soit c'est OK pour vous de laisser les genoux s'ouvrir sur le côté, vous venez prendre une posture du papillon, soit c'est un peu intense ce soir, et dans ce cas-là, juste vous écartez les pieds. Donc là, moi, je dis largeur du tapis parce que je suis sur mon tapis, mais si vous êtes dans votre lit, vous écartez les pieds comme si vous étiez sur un tapis. Et on vient s'allonger sur le dos ici. Les mains peuvent se positionner sur le ventre ou alors le long du corps. À vous de voir. Prends le temps d'arriver ici tranquillement dans sa mini pratique. L'idée d'une pratique avant d'aller se coucher, c'est de permettre au corps et à l'esprit de se détendre pour préparer la nuit, de calmer les agitations de la journée ou de la fin de journée. Et de se déposer. Donc on est sur une pratique très lente, il n'y aura pas beaucoup de postures. Ce n'est pas vraiment du yin parce qu'on ne va pas chercher particulièrement des sensations spécifiques, mais ça s'y apparente pas mal. On est entre le restauratif et le yin, on va se déposer tranquillement, des mouvements très lents, des postures dans lesquelles on reste relativement longtemps, sans effort. On va avoir quelques respirations ici sur le dos. Donc, j'ai voulu une pratique vraiment courte pour le cas où vous n'auriez vraiment pas beaucoup de temps pour le faire. Si jamais vous avez plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause, à mettre un petit chrono et à rester plus longtemps dans les postures si c'est quelque chose qui est OK pour vous, ou même que vous sentez nécessaire. Mais juste mettez un chrono pour être sûr de ne pas vous endormir dans une posture qui ne correspondrait pas à une posture de sommeil. Ici, tout doucement, on va venir replier les jambes si elles n'étaient pas pliées, les ramener ensemble si vous étiez en posture du papillon, et on va venir rouler sur un côté pour se redresser. Donc la posture suivante, on va à nouveau utiliser le coussin, mais on va venir se pencher vers l'avant. Donc là, les jambes tendues devant vous, sans forcément flexer les pieds ou quoi que ce soit. Donc elles peuvent être vraiment ensemble ou elles peuvent continuer à être un peu écartées, c'est vous qui voyez. Et on va venir ramener un coussin, ou alors peut-être plusieurs en fonction de comment vous vous sentez ce soir, pour venir
relâcher en fait le buste par-dessus le coussin. Donc, ce qu'on veut, c'est soutenir la tête pour ne pas avoir d'effort à faire pour aller trop vers l'avant si c'est quelque chose qui n'est pas confortable pour vous. Donc, n'hésitez pas à rajouter des coussins si c'est nécessaire. Et ici, on vient relâcher le corps vers l'avant. On laisse le dos s'arrondir. Si jamais c'est trop intense, parce que quand on se penche vers l'avant, il est possible qu'on sente beaucoup l'étirement à l'arrière des jambes. N'hésitez pas à plier les genoux et peut-être même à glisser un coussin en dessous, en fait. Pour comme ça, ben, y a un support et vous n'avez pas trop d'effort à faire pour maintenir les genoux pliés. Et une fois que vous avez votre posture qui vous convient, on relâche le buste vers l'avant. Peut-être même les yeux qui se ferment déjà, si c'est quelque chose qui est OK pour vous. Et on respire ici. Voyez ici, si vous pouvez peut-être entrouvrir légèrement les mâchoires pour relâcher le visage. Si vous pouvez aussi relâcher un peu les organes, les muscles au niveau du ventre. Redresser. La dernière posture, ça va être une posture asymétrique. On va faire une torsion sur le dos. Le coussin, il peut vous être utile de différentes manières. Donc, l'idée ici, c'est que vous venez vous allonger sur le dos. On va décaler le bassin légèrement vers la gauche pour venir relâcher les genoux vers la droite. Donc, vous pouvez tout à fait le faire sans aucun support, les bras en croix, en cactus, en fonction de la place dans le lit. Par contre, si peut-être c'est confortable pour vous, vous pouvez venir mettre ce coussin entre les deux jambes. Ou alors, si vous voulez faire du poids, parce que le fait d'avoir un poids sur soi, c'est quelque chose qui calme. Alors, je sais qu'en ce moment, il fait très chaud au moment où je publie cette vidéo. Mais si vous la refaites en hiver, peut-être que ce sera quelque chose qui sera confortable. Vous pouvez comme mettre du poids en fait sur votre côté gauche. Et on garde les bras en croix ou en cactus. Donc à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Une fois que vous y êtes, quelques respirations de ce côté-là, dans la posture. Pareil, les yeux peuvent se fermer. Soit le visage reste dirigé vers le plafond, soit peut-être vers la gauche. À vous de voir. Simplement respirer dans la posture, aucun effort à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant. Et puis on va changer de côté. Alors peut-être que vous enlevez le coussin pour changer de côté, peut-être pas. Vous ramenez les hanches d'abord au centre, ensuite vous les décalez sur la droite et les genoux qui descendent vers la gauche. Donc pareil, hein. Soit le coussin au-dessus du côté droit, ou alors à nouveau entre les jambes, ou alors pas de coussin du tout, c'est vous qui voyez. Le visage pareil, ou vers le plafond, ou peut-être vers la droite. Et éventuellement les yeux qui se ferment déjà. Qui reste fermé, si c'est OK. Et puis tout doucement, vous allez revenir au centre, enlever le coussin cette fois-ci. Et là, c'est clairement le temps soit de vous installer pour Shavasana si vous êtes sur votre tapis, soit d'éteindre la vidéo et de vous laisser aller dans les bras de Morphée. N'oubliez pas avant de faire ça peut-être, de lâcher un pouce en l'air, de mettre la vidéo en favori pour la refaire si nécessaire, ou même peut-être de la partager à quelqu'un dans votre entourage qui en aurait besoin, qui a des soucis pour s'endormir en ce moment et à qui ça ferait le plus grand bien de se déposer dans son lit avant de partir vers le sommeil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Ici, on publie deux fois par semaine, une fois le mardi matin, une fois le jeudi matin. Donc à très vite pour la suite.